Le paresseux à deux doigts se déplace à la vitesse vertigineuse de 2,45 m par minute. C'est un des habitants les plus lents de la forêt. Son gluant passager ne risque pas de se faire désarçonner à cette allure tranquille. Le paresseux navigue ainsi de branche en branche, mangeant les fleurs rencontrées en chemin. Avec un régime aussi pauvre en calories, il se doit d'économiser son énergie au maximum. L'escargot en profite pour découvrir un recoin inconnu de la forêt. Et quand le paresseux fait un bref arrêt, le gastéropode débarque et reprend sa route. Les paresseux descendent rarement au sol. C'est un endroit beaucoup trop dangereux pour eux. Ils ne quittent la sécurité des branches qu'en cas d'absolue nécessité. Pour le paresseux à deux doigts, c'est une corvée hebdomadaire. Pour faire ses besoins. Malheureusement pour lui, les toilettes n'ont rien de privatif. Il faut donc faire la grosse commission à découvert et à la vue de tous, même de ses voisins les plus dangereux. Ici, se faire surprendre sur le trône peut vous coûter la vie. Et on peut vite se retrouver dedans, jusqu'au cou.